Bon, les filles, je sais que vous voulez des maquillages de fête. Donc, j'ai eu une idée, en fait, en lisant le L de cette semaine. Il y avait un maquillage qui était fait que au liner pailleté. Et je me suis demandé ce que ça pouvait donner. Je trouvais que ça m'en manquait un petit quelque chose quand même. Et en fait, là, je viens de faire une vidéo avec ce maquillage-là, que là, vous voyez dans une bonne lumière, donc vous voyez bien, donc vous aurez la vidéo samedi, que je trouve sublime. Enfin, j'adore ces couleurs-là. Et en fait, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai pris du liner pailleté et j'ai entièrement recouvert le truc. Donc ça marche avec n'importe quel maquillage que vous aimez bien, qui est un peu costaud quand même, hein, faut que ce soit un peu chargé, ou pas d'ailleurs. Et là, j'ai pris un liner Urban Decay. J'ai pris du doré, parce que je trouvais ça sympa. Et j'en ai mis partout. Alors faut y aller, hein, faut pas hésiter, parce que c'est vachement léger, ces trucs-là. C'est peu chargé en paillettes. Faut pas hésiter à en mettre. Hein. Faut repasser jusqu'à ce que vous ayez la dose voulue. Vous pouvez pas vous louper, hein, puisque c'est juste de la paillette. Vous étalez ça tranquille, partout. Moi j'en ai mis presque jusqu'au sourcil, vous voyez. Enfin même jusqu'au sourcil. Et j'en ai mis dessous aussi. Et vous allez me dire, ça fait drag queen. Bah oui, mais enfin c'est le nouvel an en même temps, hein, donc c'est un petit peu l'idée. Si vous faites pas drag queen ce soir-là, c'est pas à l'anniversaire de votre grand-tante que vous allez faire drag queen. Puis bon, si vous voulez des paillettes, faut assumer, hein, les paillettes, ça se voit. Bref, tout ça pour dire que oui, c'est tout à fait, c'est assez voyant. Cela dit, si vous allez à une soirée où on danse et où donc la lumière est assez faible, c'est souvent le cas dans ces soirées-là, dès que la lumière est faible, ça bouffe les yeux, on les voit plus. Et du coup, avoir ce genre de paillettes sur les yeux, ça peut être pas mal parce que ça attire la lumière, le peu de lumière qu'il y a dessus. Et du coup, on les voit à nouveau. Alors, vous vérifiez en faisant ça. Bon, moi, j'ai toujours mon spot dans la gueule, là. Vous vérifiez de temps en temps où vous en êtes en tournant votre visage dans la lumière pour voir, parce qu'on voit pas très bien tant que la lumière est que sous un angle. Dessous, faites gaffe, hein, n'en mettez pas dans l'œil. Parce que, alors là, les paillettes, c'est pas du tout bon pour les yeux. Hein, ophtalmo, vous direz que c'est pas du tout la chose à faire. Donc tournez votre visage pour voir où vous en êtes dans la lumière, voyez. Hop, est-ce que c'est à peu près pareil partout? Est-ce qu'il en manque à certains endroits? Et voilà, ça n'a pas besoin d'être parfait. De toute façon, le but c'est que ça capture la lumière, pas que ça donne de la couleur. C'est fun, non? Ici on peut même en mettre plus au coin interne, pour bien le marquer. Et pourquoi c'est plus intéressant que de mettre juste des paillettes sur sa peau? Ben c'est que ça tient, tout simplement. Alors que les paillettes, vous êtes bonnes pour foutre de la colle à faux cils dessous pour qu'elles tiennent. Hein. Sinon, dès que vous battez des cils, vous avez tout sur les joues. Quoi. Donc c'est pas très fun. Alors que là, nickel. Une fois que c'est sec, vous êtes tranquille pour la soirée. Vous pouvez mettre aussi des faux cils par-dessus, enfin ce que vous voulez. Et alors évidemment, à démaquiller, ça va être chiant, mais vous allez rentrer à 5h du matin ivre morte, mais vous allez quand même enlever ça. Parce que si vous dormez avec, vous en avez une qui se fout dans l'œil pendant la nuit, vous allez vous réveiller aveugle. Hein, donc pas de blague les filles, bien démaquillées. Moi je trouve ça top, j'adore. Ça me plaît vachement. J'aime beaucoup. Bon, j'attends vos photos de nouvel an. Hein. Ciao les filles.